Salut, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma création de Lego en fait. C'est ça, c'est une espèce de petit, enfin de gros fusil d'assaut en fait. Donc je vais vous le montrer. Avec, en fait, il suffit d'un clone, ou d'un Jedi, ou, enfin il faut un personnage et on démarre comme ça. Donc pas de droïde. Enfin vous pouvez me faire une création un peu différente, c'est un peu plus embêtant à faire. Donc attendez une minute. En fait. Avec les bras des clones, je les attache ici, ici. Après, je relève le pied. En fait, c'est un contrôle, une antenne qu'on peut trouver sur divers sets. Comme un moins de ce temps sur le mien. Là, c'est. Il est blanc, l'ampoule blanc. Donc, c'est pas ça. On voit avec le trépied, voilà. Donc, si vous voulez une vidéo pour le construire, vous me demandez. Enfin, en fait, je vais déjà vous dire parce que à monter il est un peu long, puis enfin non, il est pas très long non plus, mais il faut les petites barres comme ça, la barre qu'on retrouve au-dessus du réplicata shuttle au niveau des canons automatiques, enfin semi-automatiques. Il faut un petit embout comme ça, qu'on trouve sur beaucoup de sets. Cette pièce-là, celle-là, une petite barre, une pièce rouge. Faites ça deux fois, les deux côtés, avec les accroches aussi. Ça en fait on les trouve sur les dans la saison Android Battle Pack ou autre set. Il y a aussi ça, c'est le trépied, le pied tout seul parce qu'il n'y en a qu'un. Ça accroche comme ça. Avec la pièce, oui. Là. Après, je fais une pièce pour tenir le blaster, c'est gadget, les couleurs là, ça c'est gadget. C'était aussi pour rapprocher les deux trucs parce que sinon ils s'éloignent. Donc voilà, c'était un fusil d'assaut, gros fusil d'assaut. Allez, salut. Excusez-moi pour ma voix, je vais me lever.